reviens dès que tu as les clés. Amis viewers, bonjour, bienvenue pour les suites de l'aventure sur A Plague Tale Innocence. Donc on arrive à la fin du... Lorsque je reviens, on arrive à la fin. Sois prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures. Et moi non plus. On peut peut-être passer derrière en fait. Oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. On peut pas, non. Bon. Tu dois les faire partir. L'occasion d'une promotion. De l'autorité, des résultats. Bien, bien. Être efficace. Pas de spectacle. Amicia était là. La merde. Oh, regarde pas, regarde pas. En surface. Les couteaux sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie. Tout est prêt. J'oublie rien. Avec le capitaine, mieux vaut rien oublier. Moi, je suis quasiment sûr que les rats ils feront pas de mal. Hein? C'est quoi ça? Je suis quasiment sûr que les rats ils feraient pas de mal. C'est quoi? Ah, c'est niqué. Bon, c'est pas grave. Ok. Fais très attention. Reviens dès que tu as les clés. Compris. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, Seigneur Nicolas. Quoi? J'arrive pas à voir. Oui, non, mais ça c'est parce que... Non, mais ça c'est parce qu'il est tôt le matin. Fais attention. Reviens dès que tu as les clés. Compris. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, ok, bon. Bon, t'as entendu? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures. Et moi non plus. Oui. Reviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bah, il y a une échelle, là il y a une lumière. L'occasion d'une promotion. L'autorité, des résultats. Bien, bien. Doit être efficace. Si Amicia était là. Non, j'ai pas besoin d'elle. Douce en surface. Les couteaux sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie. Tout est prêt. Ouais, on va. C'est sûr, on va libérer les rats. Ah, je crois qu'il y avait un trou là. Faut faire attention, apparemment on peut tomber. Oh, les rats, ils ont tous peur des rats. Si j'arrive à les libérer. Oui. Ok. Oh, ça c'est pour les cages. Allez. Vite. La cage a lâché. Merde, on reste pas là. Allez. Bien fait. Allez-vous-en, vite, la clé maintenant. Ok, les deux gardes sont partis. Je peux plus traverser. Il faut que je les écarte. Ah ouais, tu as... Non, si, il est... Ok. On a peur des rats quand même. Bon, là, il va falloir jouer avec les loupiottes, là. Les lanternes. Ils vont pas aimer les lanternes. Oh, ça marche. Pssst. Oh, regarde pas. Ok, c'est cool, on va pouvoir aller chercher Maman. Bravo! Tu vois, Amicia, Maman va... Oh, ma... Ah, quoi? Arrête, ok. Attends, si je fais ça...
Là, je pourrais retourner jusqu'à la lampe. Ils passent encore. Je dois les faire partir de là, avec l'autre lanterne peut-être. Oui, oui. Mais je suis pas sûr de réussir. Oh, c'est pas mal, tu vois. Ah. Je sais pas, on essaye. Maman, j'ai réussi. Ouais, c'était limite, hein. Il aurait fallu décaler la première de quelques degrés à droite. Mais ça passe. Ils te feront plus mal, maman. Mon héros, comment tu te sens? Ta tête? Elle parle tout le temps maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit que... elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. Hugo, est-ce que tu les entends? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. N'aie pas peur. D'accord. Viens. Ça pas. Eh ben. J'ai plus mal à la tête. C'était la macula, mais tu lui as répondu. Allons-y. Ok. J'écris. Ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisonniers. Allez, trouve ce document et tire-toi. Regarde, on va le faire partir. Utilise les rats. Non. Cours, gros bébé! T'as peur, hein? Hugo, ce n'est pas un jeu. Ce pouvoir est dangereux. Tu dois te contrôler. Oui, maman. Alors, c'est ça ma maladie? Tu n'es pas malade, Hugo. C'est un don. Je t'expliquerai. Un don? Ah, tu l'as trouvé! Ou alors, je deviens fou. On peut pas lui ouvrir? Alors... Il y a trop de lumière là-bas, on va pas pouvoir utiliser les rats malheureusement. Ah ouais, mais là la mer elle va pas pouvoir passer. Putain, la taille du saucisson. C'est bordel. Vous voyez, c'est rouge, en fait, parce qu'il y a de la lumière. Je vais les pousser. Seulement le temps que l'on passe. Ne force pas. J'essaie. C'est quand même bizarre comme pouvoir, mais bon. Oh,
Les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça? Manquerait plus qu'on perde une de ces cages. Attention! Des rats! Des rats noirs! Merde! À l'aide! Bravo! Ces rats! Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Quoi, il y a des rats noirs, des rats nus? Du sang de gens? Vraiment? Oui, c'est bizarre. Les rats noirs, je les sens, mais pas ceux-là. Je vois. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. Ce serait des contre-rats, tu vois, de, genre les rats blancs contre les rats noirs, et ils se font une partie d'échecs. Où est-ce qu'ils vont envoyer ces rats? J'ai lâché trop tôt. La caméra qui a merdouillé un peu. Où est-ce qu'ils vont envoyer ces rats? Est-ce qu'il y a... Ouais, non, il n'y a pas de jauge de... Non. Oh! Bah oui, tout va bien. Je me sens un peu bizarre. Ça va te fatiguer, c'est normal. Dis-moi si ça ne va pas. Oui, oui. C'est normal. Putain, j'ai lâché 2 secondes le bouton de la souris. Ah là là. Maman? Maman? Maman! Pourquoi je sais faire ça? C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais Amicia, elle sait pas. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein? Chère Béatrice, vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez, laissez-le partir maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo? Ta famille s'agrandit? Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de rue. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Tu es là. Hugo, on les va. C'est le seul moyen. Dis au revoir à ta mère, petit. Ne faites pas de mal.
les tuer? Je suis désolée, Hugo. À l'attaque, non. Tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aurai l'honneur de tuer la mère porteuse. Ce n'est qu'un enfant. Prêtez-moi. Mais c'est le kiff. Tu es à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Il y aura une réponse. Sois courageux. La prima macula. Elle réagit. Continuez. Ouais, je vais passer niveau 2, c'est ça? Enfin, au stade 2, quoi. C'est trop tard. Allez. Le petit public. Oui, dévorez. Le seuil t'attend. Passe de l'autre côté. Non, Hugo. Ne l'écoute pas. Eh, je suis obligé. Et je vais pas les laisser tuer ma maman quand même. Ah, vous croyez que j'aurais pu laisser mourir la mère pour... Ah ouais, mais je peux pas faire ça. Hugo, réponds-moi. Hugo, tu m'entends? Je t'en prie. Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi? Amicia. C'est Amicia. C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi, pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Bah, ça se trouve, j'aurais pu laisser la mère mourir et... Nous allons y arriver. Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Ah. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Hugo. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Un mois plus tard. Ah ouais. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non. Mais c'est pas vrai. Allez. Non, allez, ouvre-toi, je t'en prie. Je crois que Roderick travaille dans la cour. La serrure est encore gelée. Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis. Ok. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse là pour aujourd'hui. Des bisous, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. À demain. Ciao.